à tous les amis, c'est Skill Talks. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de la série de Village Escape. J'espère que vous allez bien. J'ai trouvé, il faut simplement faire. Il faut, en fait, c'est une espèce d'énigme. Il faut faire un truc comme ça, je crois. C'était comme ça. Voilà. En fait, il fallait juste tout simplement bidouiller, en fait, tout simplement. Et donc, nous voilà. Oh putain, non, il fait. Et si vous avez été en prison, c'est à cause du chien. Ok. Par contre, ça serait cool que je puisse dormir, les gars. Parce en fait, pour vous raconter un petit peu l'anecdote, avant de faire cette map, en fait, j'étais chaud pour faire une map Halloween. Et en fait, elle faisait tellement peur, genre t'étais dans un labyrinthe et t'avais des sons bizarres. Je fais oh putain, c'est bon, vas-y, laisse tomber, je vais en faire une autre tranquille, tu sais. Bon bah voilà, du coup, je me suis retrouvé sur cette map et franchement, je kiffe à mort. Bah, apparemment, on est sur la fin donc. Tu es le chef du village, j'aime ça! Pardon. Donc, à mon avis, je pense que ça va être le dernier épisode parce que j'ai regardé Oxylac et j'ai un petit peu vu la fin donc je me suis un peu spoilé malheureusement, mais bon. Donc on va faire ça bien. On va devoir tuer le chef du village, je crois. Donc on va aller tuer le PD. Bon, ça va, en fait, il y a eu que un piège. Donc pour l'instant, on est tranquille. J'ai été gentil avec toi, MDR. Allez voir le. Vous avez tué le chef, félicitations, il vous reste plus qu'une seule personne à qui vous pouvez faire confiance, le sage du village. C'est parti. Le sage du village. Ah putain, Alphonse, mais non! Pas te voir. Le sage, il est où? Le sage qui est sage. J'ai pas ouvert ce coffre. Est-ce que ça? Le sage du village. Attendez, il y a quoi chez l'architecte? Regardez ça. Cool. Ah ouais, du coup j'ai oublié de mettre des trucs dans le coffre. Strain. Ouais bon, donc je vais laisser l'armure dedans parce que ça sert. Là maintenant faut aller voir le chef du village. J'ai Constantin. Mais merde! Il est où ce sage de merde? Ok. De pute. Je vous baise. Ouais. Oh! Non, pas toi, frère. Je t'aime pas. Putain, en plus, elles vont me suivre. Oh, fais chier. Ça, c'est pas bon, ça. Combien de flèches encore? J'en ai deux. Oh. Oh là là, attention, avance tout seul. Bon, je vais la laisser dans son coin. Ah, punaise. Il faut que je trouve le sage. Chez Arthur, mais merde, il est où ce sage? Chez Alphonse, mais putain, mais. Chez Bernard.
Ah, mais ça serait pas la maison à côté de chez moi par hasard? Je regarde encore cette maison. Je crois pas que c'est celle-là. Non, c'est à côté de chez moi, je crois. Oui, le vieux sage. Tu peux t'échapper du village? Bon, il va falloir que j'aie confiance en toi. Pour cela, prends la cisaille dans le coffre et rapporte-moi 10 poppies que je te donnerai et je te donnerai un levier. Cool. Peux détruire les poppies. Du coup, l'histoire, je m'en fous en fait. Les poppies! Ah merde, mais j'avais déjà des poppies. J'aurais pu pas récupérer, non? Ah, j'ai déjà deux poppies. Des poppy games. Ok. Il y a combien de temps de vidéo? Là, 6 minutes. Poppy. Rose Poppy. On a 7. Ok. Poppy, donnez-moi contre un levier qui sera utile pour et si tu vas derrière ma maison. Et oui, les gars, je sais lire l'avenir. Je l'ai tout de suite su. J'ai pris le levier et tout, t'as vu? Sans presse. Oh, tu m'entends? Tu dois être dans le passage secret. Bon, ramène-moi un bijou que j'ai perdu là-bas. C'est une émeraude de mes souvenirs. Si mes souvenirs sont bons. Oh, tu m'entends? Tu dois être dans le passage secret. Bon, ramène-moi un bijou que j'ai perdu là-bas. C'est une émeraude. Si mes souvenirs sont bons. Vachement à la fin de l'histoire. Ouh, c'est très très beau. J'aime. J'aime. Ah. Attendez. Avant de faire quoi que ce soit, je vais faire ce que je voulais faire dans l'épisode précédent, c'est-à-dire de raser ma merde. Donc ça, je m'en fous. Ce qui est bouffe, tout ce qui est potion, on va garder. Bon, non, les gammes, je les garde du coup parce que je voulais me faire une épée, mais je me suis dit. Il y en a beaucoup de pièces d'or, c'est cool. Clé de la mine, je m'en voilà, bon. C'est déjà un peu mieux. Attendez, j'ai eu un petit message. Patientez 2 secondes. Hop, c'est parti. C'est parti, les amis! Oui, donc je me suis dit, putain, mais comment on peut accéder? Me casse! Ok. Cher. Ok. On doit lui ramener une émeraude de papy. C'était un piège, ça.
Ça, je suis sûr. Pardon, excusez-moi si je suis vulgaire. Je ne le referai pas. Ok. Voilà. Putain, mais c'est un truc de fou, ça. Mais c'est super stylé, moi j'aime. Ça a pas bugué la vidéo. Merde. Un bloc d'obsidienne. Peut-être le bloc d'obsidienne dehors. Et... Oh là là, faut que je refasse tout le chemin. Punaise. Le truc qui fout les nerfs. Bon bah du coup, c'est parti. Ouais, j'ai pas fait attention, je suis désolé. C'est un peu casse-couille quand même. Il l'a. Ah oui, d'accord. Oh! Flèche, c'est un parterre. Ouais, donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne de moto. Je sais pas si je l'ai dit dans cet épisode, ça fait chier. Cool, rapporter l'émeraude de papy avant. Ah bon, je vais dormir. Non, à chaque fin de quête. Faut que je dorme. Oh putain, mais arrête d'avancer tout seul, je suis en colline. Ok, c'est bon, il est attiré par le village. Ok, bonjour tout le monde, on va laisser monsieur le chat. Fils de pute. Merci, tu es digne de confiance, je vais donc te dire où tu trouveras l'unique sortie de ce village, mais pour cela il va te falloir une hache. Le forgeron doit bien en avoir une à te prêter. Quand tu auras la hache, reviens me voir. Putain, j'ai cru que c'était une sorcière. Il faut une hache, je vais devoir à l'entrée de la mine, je crois en avoir laissé une là-bas. Putain, mais arrêtez de me faire putain de courir là! Eh, il le faut exprès, hein! Je peux pas regarder le Norman, détends tes hormones. Ok. Donc voilà, j'espère que tu as une hache. Bien, il est temps de te réveiller. L'entrée du passage secret est l'unique sortie de ce village. Va casser le tronc de l'arbre qui est le plus proche de la maison de Constantin. S'il vous reste des choses à faire dans le village, c'est maintenant. Sinon, poursuivez votre quête en faisant ce que le sage vous a dit. Bon, j'ai plus trop de choses à faire. Ouais. Putain.
L'arbre le plus proche de Constantin, mais putain, t'aurais pu dire l'herbe. Non, mais je sais pas, c'est bizarre, quoi, c'est chelou. Est-ce que je peux casser? Chez Robin, il est où Constantin? Je crois que Constantin, c'est celui-là qui a la grande maison, si je dis pas de bêtises. Bernard, je crois que c'est ici. Alphonse. Chez Arthur. Pinaise! On casse tous les arbres, c'est réglé, hein, l'architecte. S'il vous plaît, dites-moi où il est. Ah, ok, Constantin. Regarde, si t'as pas des choses à me donner. Caché. Pas ça. L'arbre qui est le plus proche de la maison de Constantin. Je suis désolé, il n'y a pas que 36 000 arbres. Faudrait peut-être que j'attende. Va casser le tronc de l'arbre, mais je l'ai cassé, gros. Et ouais. Dois faire quoi ensuite? J'ai cassé le tronc. Ah! Désolé, autant pour moi. J'ai pas vu. Putain noir! Allez, debout, on se réveille. Ah, c'était un rêve. Ah, quoi? Mais où est la sortie du village? Quoi? Tu as dû faire un mauvais rêve. Allez, dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Quoi? Tout ça n'était qu'un rêve? Non! Bien joué! Bien joué, bien joué, bien joué. J'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé à mort. Vous êtes maintenant en mode créatif, vous pouvez explorer la map quand vous le souhaitez. Cool. Ouais, ah, c'est stylé ça. Putain, grave. Ah ouais. Ah, bon boulot, franchement, c'est une map que j'ai énormément kiffé. J'aime beaucoup ce genre de map. Pas trop longue, pas trop courte. Donc voilà, j'espère que bah cette petite série vous aura plu. On se retrouve sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle série. Donc cette série va être publiée. Donc aujourd'hui on est mardi. Prochain épisode jeudi. Prochain épisode samedi. Et nouvel épisode lundi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve pour le prochain. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!